Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo de la chaîne Tesla France 89. Aujourd'hui, on va voir un peu comment se passe la mise à jour de la voiture parce qu'on a reçu une mise à jour hier. Donc voilà, c'était l'occasion. Ça a un peu chamboulé le planning de publication des vidéos, mais c'est parti, tout va bien. Alors voilà, déjà je vais vous montrer. Donc on a plusieurs alertes sur l'application. Vous voyez, c'est indiqué qu'il y a une mise à jour. On peut lancer d'ailleurs la mise à jour depuis le téléphone. Ensuite, on a aussi un réveil qui s'affiche au niveau de l'écran de la voiture. Et à chaque fois qu'on démarre la voiture, on a un pop-up qui est le suivant, vous allez voir. Voilà, donc ça nous propose en fait de lancer la mise à jour. Et ça nous indique une durée de 45 minutes pour la mise à jour. Honnêtement, nous, ça n'a pas mis 45 minutes du tout, à peu près 20 minutes. J'ai fait un time-lapse, de toute façon, vous allez voir. Donc voilà, il y a un compte à rebours. Après, la mise à jour va se lancer. Sur l'application, du coup, c'est en ligne aussi. On a donc la progression de la mise à jour sur l'application du téléphone et au niveau de la voiture aussi. Donc voilà, un simple message, mise à jour en cours. Et ensuite, vous verrez, alors là, c'est en accéléré, mais j'ai vraiment filmé du coup l'intégralité de la mise à jour. Voilà, il y a un reboot de l'écran et la mise à jour est terminée. Tout de suite, on a un pop-up avec donc les principales nouvelles fonctionnalités donc, de cette mise à jour. Alors on a eu une augmentation de la puissance maximale du véhicule de 5% visiblement. Les feux stop dynamiques, donc là c'est au niveau de si vous freinez beaucoup, du coup ça va mettre les warnings. Il y a des choses différentes en fait qui sont mises en place et automatisées par rapport à ça. Le mode sentinelle, donc si vous avez quelqu'un qui essaye de rentrer dans votre voiture ou de la vandaliser, les caméras elles enregistrent et elles l'avertissent. À l'écran il y a un logo qui se met en place indiquant que la voiture est sous surveillance. On a aussi la fonctionnalité de caméra embarquée, donc qui permet d'enregistrer sur une clé USB ou un disque dur les dernières minutes capturées par les caméras. Donc ça peut être bien si par exemple on a eu un accrochage, du coup d'avoir tout ce visuel derrière. Et le mode chien, donc si vous laissez vos animaux dans votre voiture, les gens peuvent penser qu'ils vont mourir parce que vous n'avez pas mis la climatisation, les choses comme ça. Là c'est vrai que comme c'est un véhicule électrique, en plus le moteur ne tourne pas. Donc là au moins, comme ça, il y a un affichage qui se met au niveau de l'écran et les gens savent tout de suite que les animaux sont en sécurité dans la voiture, qu'il n'y a pas de raison de casser le carreau pour les libérer, ils sont bien comme il faut. Il y a aussi un rappel donc, des autres fonctionnalités qui avaient été ajoutées à la mise à jour précédente. Moi, nous, c'est notre première mise à jour depuis qu'on a la voiture. Ensuite, du coup, on peut voir au niveau des écrans, on va aller voir tout de suite le mode chien. Donc, vous voyez, c'est au niveau de la ventilation. Maintenant, on peut mettre off, on ou chien. Donc, si on met chien et qu'on claque la porte et qu'on s'en va, du coup, il y a cet écran qui va s'afficher. Je vous montrerai tout à l'heure, indiquant que la voiture est climatisée et qu'il n'y a pas de souci à se faire pour les animaux. Voilà, ensuite, dans le menu sécurité, on a le nouveau mode sentinelle qui s'est ajouté. Donc vous voyez, on peut l'activer comme ça. Visiblement, il faut l'activer à chaque fois qu'on stationne. C'est pas quelque chose qui est activé en continu. De toute façon, je ferai une vidéo pour tester le mode sentinelle. Vraiment une vidéo à part pour cette fonction qui est vachement intéressante. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. À très bientôt et n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour suivre toutes nos vidéos à venir. Merci.